Alors, j'ai créé le magasin Corsic Aliments à Pontereccio parce qu'il y avait vraiment un besoin. Moi-même étant éleveur canin, lorsque je voulais prendre de l'aliment pour mes chiens, il fallait que je fasse beaucoup de kilomètres pour avoir un aliment de qualité. Donc là, j'ai ouvert, ça fait à peu près 4 jours. Donc on a plusieurs gammes de croquettes. Alors forcément, on a les marques, ce qui est connu, les incontournables. Et après, j'ai fait rentrer de la croquette de qualité française. Donc ça, c'est fabriqué sur le continent. Là, par exemple, on a un sac énergie, donc à 32% de protéines et 16% de matière grasse. Et quand on a un aliment de qualité, ben moi, j'arrive à expliquer aux gens, en fait, que ça sert à rien de remplir les gamelles, comme les aliments qu'on va trouver en grande surface. Là, l'aliment principal, c'est quand même de la viande. Il faut savoir que les chiens sont principalement des carnivores. Donc, quand on va donner des aliments bas de gamme, on va se retrouver avec énormément de céréales. Ça, par exemple, c'est pour les chiens de sport. Là, je n'ai plus d'aliments d'entretien. Et j'explique aux gens que, par exemple, on fait des calculs très, très simples. Pour un chien de 15 kg, un sac comme celui-ci peut durer plus de 80 jours. Donc, c'est énorme. En fait, les gens, au début, on voit le prix du sac, on dit « Oh là là, c'est cher ». Mais après, quand on fait les bons calculs, qu'on regarde les doses qu'il faut donner et qu'on va respecter les doses, on s'en sort plus que bien. Là, on a les marques, qui sont connues, hein, Proplan forcément, le Proplan Medium Saumon. Mais il y a quelque chose d'intéressant que j'ai fait venir. Là, ça, c'est encore la fabrication française. Ça, c'est un aliment premium français. Donc, on n'est toujours pas dans le très haut de gamme. Hein. Il faut bien distinguer les croquettes. Là aussi, c'est du premium. Là, on va avoir ce premium français, qui est le total équivalent, mais qui va être à pratiquement moitié prix. Ensuite, ben forcément, les matous, hein, les chats. Donc là, c'est encore plus compliqué. Alors, il faut du senior, du stérilisé pour les problèmes rénaux, pour les problèmes de digestion. Ça varie, saumon, poulet, dinde, agneau. Il y a vraiment beaucoup de choix. Pour les chatons, pour les vieux chats, pour les chats adultes, pour les chats qui ont besoin de perdre du poids. Et forcément, une gamme éco aussi. Ça a beaucoup intéressé les associations. Voilà. Là, j'ai fait rentrer des friandises pour chiens. Alors, je vais enlever ces papiers, ça fera plus beau. Donc là, par exemple, vous avez des sabots fourrés. Il faut savoir que ce sont des sabots de veau corse. En fait, c'est une jeune qui fait ça en Corse du Sud, du côté de Propriano. Et elle fait des croquettes à base de produits qu'elle récupère dans les abattoirs corse. Donc, une petite fierté ça, de travailler avec les locaux. Après, il y a une partie alimentation pour le bétail. Alors là, on va voir principalement du Sanders. Donc, il y a du Tony Levage qui fait ovin, bovin, caprin. On va avoir de l'aliment spécial porc corse, que tu peux voir ici. Ensuite, du maïs concassé et après du maïs corse. Attention, il est produit en plaine, en fait. Donc, on peut l'acheter à la tonne ou au sac. L'avantage du maïs corse, c'est que hormis les poules, il peut nourrir aussi les brebis, tout ça. Si on va nourrir les poules avec, ben en fait, il suffit d'une toute petite poignée parce que ça leur remplit de suite le gosier. Alors, je suis ouvert tous les jours de la semaine, de 8h à midi, de 14h30 à 18h. Et hormis la partie alimentation animale, vous pourrez trouver du bricolage, du matériel, de la cacaillerie. Et là, par exemple, c'est un client qui m'a passé une commande de sel pour la charcuterie, notamment pour les bacs alimentaires où il va y faire sécher ses copes assez longues. Et voilà, donc c'est très polyvalent, il y a un numéro sur l'enseigne, vous pouvez appeler, on ouvre à n'importe quelle heure et on vous commande ce que vous voulez. Venez de Candebo, vous voulez, décidez en casa ostra.